Doucement, pas tous en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une conférence de presse, ici. C'est pas l'Assemblée nationale. Enfant de Satan. Toi, vas-y. Marie-Claude, bonjour, Bruno Bertrand pour TF1. Quel traitement les médecins lui ont prescrit? Écoutez, moi, les médecins ici, ils m'ont choqué. Ils ont voulu traiter Johnny comme ils ont traité Nestor, comme ils ont traité Isidore, ou encore Père Castor, ou même Boucle d'Or. Mais Johnny, c'est Johnny. On ne traite pas Johnny comme les autres. Hein? Alors j'ai décidé de le soigner moi-même, avec mon traitement. Alors je lui ai commencé d'abord par lui faire une prise de sang. Je lui ai branché comme ça dans chaque oreille une enceinte. Je me suis approché comme ça, j'ai pris le micro, tranquillement, et j'ai fredonné. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et là, tranquillement, il s'est réveillé. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand c'est Johnny, il faut allumer, hein? Deux enceintes de 1280 watts, je lui avais branché. Autre question. Marie-Claude, bonsoir. Christine pour VSD. Ma première question, elle est simple. Quels ont été les premiers mots que Johnny a dit à son réveil? Eh bien, écoutez, quand Johnny s'est réveillé, il s'est redressé. Il est venu vers moi comme ça, avec ses grands yeux bleus. Il m'a regardé, il m'a dit... Plus fort les retours dans les enceintes. Ensuite, voilà, hein. Oui, parce que tu as loupé ton top sur mon croco, hein. Mais ensuite pas... Ah bah oui, c'est parti. C'était avant. Mais c'est pas grave, enfant de Satan. Ensuite, ensuite, il m'a dit... il avait soif. Il m'a dit... J'ai soif. Jack Daniel, s'il vous plaît. J'ai dit non, Johnny. Moi, c'est Marie-Claude Boisbandé, pas Jack Daniels. En fait, il parlait de Jack Daniels, l'alcoolique, mais moi, je ne savais pas. Alors, je lui ai dit, écoute, non, c'est fini, ça aussi, je n'ai pas cédé. Hein. Je lui ai dit, Jack Daniels, il est parti. Il est parti avec Johnny Walker et l'autre aussi, là, Dom Pérignon. Ils sont partis ensemble. Je n'ai pas cédé. J'ai dit, moi, je sais le traitement qu'il te faut. Alors, je lui ai branché en perfusion comme ça sur le bras droit. Je lui ai mis un tonneau de 20 litres de Tiponce Boisbandé. Et un tonneau de 40 litres sur le bras gauche. Oui, parce qu'il boit plus vite avec le bras gauche. C'est pour ça. Autre question. Marie-Claude, bonsoir. Michael Vendetta pour patdecerveau.com. Il a fait quoi après? Ben écoutez, le type on se boit bandé, faut connaître, hein. Je peux vous dire que comme ça, 280 degrés au réveil, eh ben Johnny Hallyday, c'était un feu d'artifice, hein. Ben, c'était simple, c'est très simple. Hier à la Saint-Barthélemy, hein, on a eu une panne de courant sur toute l'île. On a monté Johnny sur le toit. Ah ben il a allumé tout Fort de France, hein. Ah je vous assure, mais c'est pas tout, il a chanté aussi. Mais il a fait une crise d'épilepsie musicale. Ben écoutez. Noir c'est noir. Si tu savais. Et ce qui m'a donné l'envie d'abord. C'était pas net, hein. Ah, excusez-moi, j'ai Céline Dion là qui arrive. Hein? Ah, Céline Dion, ça me dit quelque chose, ça, Céline Dion. Ah, ta ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? C'était le 19e passage d'Ahmed Silla sous les traits de Marie-Claude Boisbandé. Alors, Marie-Claude Boisbandé a réussi à sauver Johnny Hallyday, mais a-t-elle réussi à convaincre notre jury? Michel Bernier, Laurent Ruquier, Catherine Barma et Jean Benguigui qui sont en train de noter. Je rappelle que leur note ne compte pas au final puisque ce sont les téléspectateurs, vous à la maison, j'en qui nous regardez. Oui, vas-y. J'en profite pendant qu'ils notent, je passe un petit coucou à Claude. Colette, pardon, et Claude qui nous regarde, et puis au Babylone. Alors Colette, je l'ai rencontrée ce matin, j'ai pas le droit de dire les marques par contre. Bon, t'as déjà fait Jack Daniel's et compagnie, donc on peut y aller maintenant. Chez Castorama. D'accord.
Ce matin, bon, bah, je me baladais au milieu des fruits et des légumes, et puis bon, Colette m'a charmant reconnu, elle m'a dit « Ah, bah, c'est vous, l'autre, là, Walidia ?» J'ai dit non, moi, c'est Ahmed Silla. Ouais. Et puis, bah, une petite discussion s'est installée, ouais, et ouais. Puis on a voté, c'est bon ? Ouais, on a voté, on va pouvoir découvrir les notes. Merci de m'aider à meubler, c'est sympa. Ouais, c'est cool, avec une belle anecdote en plus, c'était parfait. T'as vu ça ? Ouais, génial, merci. Michel, quelle est la note que vous avez attribuée à Ahmed ? 14, c'est pas mal. Laurent Ruquier. 14, même chose. Catherine Barma. 13. Et enfin, Jean-Benguigui pour terminer. C'est un 15. Merci. Ah, derrière vous, il y avait Ahmed Silla. Vous aussi, vous avez récolté quand même des bonnes notes. 14 de la part de Michel, 14 de Laurent, 13 de Catherine et 15 de Jean-Benguigui. Le public du studio vous a mis la note de 16. Découvrons maintenant la seule note qui compte, celle des téléspectateurs. Merci. 16, bien joué Ahmed. Merci maman. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là.